Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't. Oh no, aujourd'hui il pleut. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouveau vlog en Corée. Bon, aujourd'hui il pleut. Voilà, il fait vraiment pas beau, donc on a changé les plans et on va visiter des musées et peut-être aller dans un centre commercial. Voilà, à voir. On va s'adapter au temps. Vous, vous allez pas du tout au même endroit. Super. Le temps pourri. Ma mère, on dirait Casimir pour le truc orange. C'est tellement propre le métro, on est tous choqués, on compare tous avec Paris. Putain, franchement, les Français, on a des trucs à apprendre. Hein. Prenez exemple. Table d'amour, de la pâte à la grenouille. Paris baguette. Devant le musée, comme ça, mais également devant une manifestation. Apparemment, c'est leur bandeau rouge qui signifie qu'ils sont en manif. Voilà. Bon, je suis vraiment pas une grande fan d'histoire. Je m'y intéresse un petit peu, mais bon, de là à rester 4 heures dans un musée, disons que c'est pas trop mon truc. Du coup, là, on vient d'arriver au musée. Mais je sens que je vais faire mon tour de mon côté parce que Boris, il est hyper fan d'histoire, donc je pense que le temps qu'il lise tous les panneaux, tout ça, j'aurai le temps de boire 3 cafés. Donc chacun son rythme. Et en fait, c'est un musée sur la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On vient de terminer le musée, enfin en tout cas maman et moi. Du coup, j'en profite pour travailler un petit peu, écouter mes mails et voir chercher des idées de vidéos pour un réel. Déjeuner très typique ce midi. Mais il check bleu. Et n'importe quoi au hasard, j'ai fait je veux ça. Ça. Et je sais pas plus le titre. Ça arrive. On touille, on touille, on touille. Bon alors, on sait pas où on est. On a atterri dans un. Une espèce de musée technologique. Mais bienvenue dans mon salon en fait. Moi je veux ça. Je veux que toute ma maison soit rose. Je veux lui dedans. C'est un autre qui comprend rien, il me demande à moi quand il me dit. Ah bon ? Mais c'est les BTS, voyons. BTS. Il comprend rien. Fan des BTS. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. Ah, tout ce chemin pour arriver ici. Enfin. Du coup, c'est dans ce marché-là qu'il y a eu la série Netflix, enfin un des épisodes. We'll be right back.
là, c'est du piment. On souffre avec ma maman. Voilà. Bon, elle, ça a l'air d'aller, mais... Oh, moi, j'en peux plus. Oh, on a mangé deux au lieu de cinq. C'est déjà bien. Ah non, trois. Trois, c'est déjà très bien. Et après, j'ai partagé. Ça va, l'expérience? Nickel. Ouais, Boris, ça pique, hein. Ça va. Je vais visiter la ville de nuit et là sur quoi on tombe? Dunkin' Donuts. On est de retour à l'hôtel après une journée de pluie. On est trempé, on n'en peut plus, mais on va sécher et on va aller boire les verres. Enfin, on va essayer de trouver un bar. Déjà, parce ouais. Qu'à Séoul, c'est pas évident de trouver de l'alcool. Donc, nous allons explorer Séoul. Et vous, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Ça va, c'est pas mal. Mais... Ça va, c'est pas mauvais en vrai. Ça sent la pêche pétillante. Il est venu, il a dit, il est light, bordure européenne. Là, on a rencontré un groupe de coréennes, c'était un délire, enfin deux coréens. C'était déchaîné. Déchaîné, vous avez beaucoup trop bu, et il y en a une qui a commencé à dire « I love you, I love you !» À mon Boris, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et je l'ai repris, il est là, tout va bien. Et je voulais vous raconter encore cette épopée de coréen coréenne, vraiment c'était épique. Déjà on a un petit peu galéré à trouver un bar et au final on s'est rappelé qu'hier soir là où on avait mangé, où j'avais mangé hyper épicé, il y avait un bar juste à côté. En fait on est monté au troisième étage, c'est genre comme un bar caché où c'est pas vraiment écrit qu'il y a de l'alcool. Et on est arrivé, il y avait une table de coréen coréenne trop chou avec une qui était un petit peu trop sous. Et ils se sont trop excusés de leur comportement et tout, vraiment trop 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 chou. Et du coup on a rencontré un autre monsieur avec qui on a trinqué, enfin Boris a trinqué. Et lui pareil, en fait à un moment donné ils sont partis parce qu'ils avaient trop honte de leur peuple, parce que la fille à côté était trop souple. Et du coup il s'est excusé pour eux et tout, enfin vraiment trop trop chaud. Il leur a dit mais vous en faites pas, vous savez on est français, nous des groupes comme ça on en a dans tous les bars tous les jours. Bon les amis, je suis lessivée. Je vais tenter de faire un gros dodo, donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog, parce que les vlogs de la Corée en ce moment c'est tous les jours et c'est trop bien, j'espère que vous aimez bien. En tout cas moi je m'éclate, j'espère que ça se ressent, je vous fais des bisous.